Eh bien bonjour tout le monde, bonjour bonjour. Pourquoi je vois pas le son de sortie? Ah non, pas de retour. Bien bonjour tout le monde, je crois que j'ai un problème avec le son de sortie. Voilà. Et coucou Dini, qu'est-ce qu'il me fait lui? Pourquoi il... D'accord, oui. Ah, je suis en train de finir de manger, je vais finir tout à l'heure. Alors, du coup, on se retrouve pour CFC, ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait sur la chaîne pour YouTube, même pour Twitch de toute façon. Hop, et on fait les DLC. Alors, je sais pas si on peut les voir, parce qu'il paraît qu'on peut les voir. On a dit vive la piraterie. Oh bah, ça y est, il y vire tout le monde. Tant de bottes que ça? Vache. Sentez-vous cette brise lugubre soufflant par-delà l'horizon? Ces eaux tumultueuses, pardon, m'appellent. Elles ont vu passer bien des horreurs, une faim insatiable, un cœur embrasé. Mais elle promet toujours la liberté du grand large. Mais un grand danger poindre au fil des vagues. Il refaçonne déjà le monde à son gré. Et si ce qu'il cherche demeure introuvable, il l'emportera absolument tout. Désirez-vous connaître son nom? Bon, on ne le saura pas. La personne à l'origine de ce désastre est enchaînée sous les pieds du passeur, emprisonnée à jamais dans les mers du damné. Le capitaine de ce navire est le seul à pouvoir descendre sur ce pont. Pour voir la vérité de votre propre yeux, vous devez donc voyager clandestinement. Bah bien, bravo! Même si le passeur vous attrape, votre destinée pourrait bien s'arrêter net. Vous m'écoutez toujours? Alors ouvrez grand vos oreilles. Tout ce que vous pensez savoir de la vie et de la mort n'est qu'un début. Le cœur encore battant, vous verrez ces rivages maudits d'un œil nouveau, en brandissant le feu de l'âme. Je ne peux vous montrer la voie. Ah, on prend une petite potion. Bon, carrément, on va ce coup. Hop. On s'asperge de poudre, un peu de poudre. Je vais me faire ban, arrête, frère, des conneries. C'est du sable, c'est pas de la poudre. Hop! Ok, qu'est-ce qu'il va faire au bateau? Oh merde. J'ai voyagé dans un autre monde et vous... pardon. Prenez ces mots pour votre périple. Si vous lisez correctement, ils vous murmureront le passé ainsi que l'avenir. Si vous les lisez correctement. Des murmures vous aidant à sauver une vie de pirate. À présent, hissez les voiles. La porte est ouverte, le prisonnier attend. Et notre temps est compté. Et merci, Alex Science, pour le suivi. Hop. Je vide pas du tout, on n'a pas peur. De toute façon, tout est visible, ça c'est vite fait. Je sais pas trop ce qui nous attend, parce que j'ai pas du tout. Encore
Ah, pour le chat, toujours pareil, pas de spoil, j'ai pas du tout été de spoil pour ça. Enfin, bon, c'est l'éternelle règle. Hop. Longtemps qu'on n'a pas mis. Ah si, j'avais acheté le truc de l'ours. L'ours et l'oiseau. Hop. Je crois que c'est celui-là. Oh, les canons, c'était ça. Hop. Hop, hop. Et autant que j'ai joué à Siopsis. Et on prend la porte. Je sais pas s'il y a un endroit où rêve où le rêve d'un pirate peut virement peut virer. Ah merde, j'ai pas vu le haut. La marée déchaînée m'attire. Un endroit où le rêve d'un pirate peut vivre éternellement. Le rêve des pirates ne tient pas à cœur de tous ceux qui voyagent jusqu'ici. Ça va le faire quand même ou je vais me bouffer le caillou? Un grand mâle cherche à mettre fin à ses rêves. Certains se rangeraient de son côté. Il rêve d'un âge sombre pour Sea of Seas. La mort n'a pas de droit ici. Ah. Adieu, mon cruel. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait en solo, sans enregistrer, sans quoi que ce soit. C'est en jouant, après je me suis dit, il faut que j'enregistre. Et je me suis arrêté là. J'ai pas été plus long que ça. Ah. Oui, c'est René, c'est les données. Merde. Les morts ne parlent pas. C'est un fait. 1 000 millions de 1 000 sabords. Réplique, pièce, réplique, pièce. Bon, on est en train de dire ça, je sais pas s'il faut aller quelque part. Ah! Bah comme ça, c'est bien plus compliqué. Oh, mais il y a du monde, non? Je vais faire la démarche, je vais peut-être essayer de. Faut que je fasse la démarche vers le site qui me suit niveau stream pour peut-être essayer de d'avoir une clé de Sea of Thieves et vous la faire gagner. Et pour l'instant c'est pas fait, il faut que je fasse la démarche, je l'ai pas faite. Ouais, la Isère. Seek an adventure in salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. Venez chercher l'aventure, bien vous êtes au bon endroit, mais restez bien attentifs, les amis, et tenez-vous bien. Des deux mains, voulez-vous. On va subir des marquages, et David Jones attend ceux qui n'obéissent pas. Faut tourner ou pas, du coup? Et coucou Kat, suis tout droit ou bah tout droit parce que de toute façon j'ai pas le.
Ils ont bien fait les scènes. Ah, on déménage. Alors, les temps de rivage. Je suppose qu'il faut aller sur cette île là de toute façon. On est où sur la map sans déconner? Il n'y a pas de map. Ça c'est ce qui se pose la question. Hop, on jette l'encre. Bon, on n'a rien, on a juste ça. Alors, est-ce qu'on en était Oui, on en était. La mort n'a pas le droit d'être ici. Un autre garde la porte entre des mondes. C'est le travail du passeur. La liberté est le rêve d'un pirate, mais un destin plus funeste que la mort attend ceux qui y tiennent précieusement. Le passeur le sait, le redoute, mais il doit remplir son devoir. Il doit se mettre au fer à celui... Oui, ça doit mettre au fer. Le prisonnier transporté à travers les vagues de l'éternité qu'aucun pirate n'a jamais pu contempler, du moins pas en vie. Sea of Seas a besoin de pirates courageux et honnêtes. C'est tout moi, ça. Des pirates suffisamment braves pour lutter contre l'obscurité imminente. Oh, moi aussi. Regardez vers les lueurs vertes de l'horizon. Oui, donc c'était pour nous emmener au... Bon, on va aller tout droit. On va faire comme... Un passage. Bah, les... Bonjour madame. Que cette maudite lumière soit faite sur les récits des faits et des méfaits du passé. Ça, je pense qu'il faut qu'on la récupère, non? Bon. Ah, si les énigmes c'est que ça, on va y arriver. Oh, une bouteille d'euro. La mort ne parle pas. Ah, on a encore ça comme réplique. Ah, ça s'est cassé ça. J'en ai oublié une. Il y a beaucoup trop longtemps par contre que j'ai vu les films pour avoir les références, il y en a. Faudrait que je les refasse, ça fait un moment que je les ai vus. Et bonjour Satinette et coucou Lilash.
pirates et Caraïbes. Mais bon, on connaît tous. Si vous vous montrez suffisamment brave pour continuer, la malédiction de Denman Gronto vous attend. Est-ce qu'on a réellement peur d'une malédiction? Oui. Ok, on a compris, c'est par là qu'il fallait aller. Oh oh, ouais, une vie de pirate. Ah, il y a des chances que j'ai un strike de copirate parce que je sais qu'ils se sont associés à Disney. Et je sais qu'il y a des passages des Disneyland général, je ne sais pas, de Paris. Et c'est possible qu'il y ait même dans la musique. Ouais, je verrai si YouTube revendique quelque chose ou Twitch. Après, la musique est pas si forte, donc... Après, normalement, ça a été pensé. Est-ce que déjà, je peux enlever la musique? Vivons l'expérience à fond. Et coucou, piou piou. Alors, ils sont morts. Ah, il me faut un levier, une poignée. Qui est une poignée? Pas toi, un passage. Bah c'est toi. Voilà. Vous ne craignez pas la malédiction, vous dites. Properly warned, ye beast, as I. Who knows when that evil curse will strike the greedy beholders of this being. Non, je veux pas lui qui frappe les gardiens. J'ai pas fait gaffe. Maintenant, j'avance, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas dit qu'il y a quelque chose de requis, non? Je croyais. Il y a un mort en bas, j'ai vraiment rien à faire. Une encre. Hop, ça va tomber. Non, c'est bon. Ensuite, là-bas, il y a un... Ah, non, on vient de là-bas. Okay. Alors. La poulie. Ok. C'est un jeu pour moi, ça, les jeux de plateforme. Je sais que tu feras ça. Ensuite, on passe là. Ça va, c'est assez indiqué, hein, scénarisé, c'est assez. Ah. Ah là, il y a quelque chose à faire. Je
Ça tombe, ok. Pour que ça tombe. Il n'y a pas de passage sous l'eau. Attends, j'ai sauté, mais il n'y a même pas d'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on aurait loupé pour passer de l'autre côté? Ok, ça a fait quelque chose. Ça allume les lumières. Alors, vous pensez que c'est la pluie qu'il faudrait réactionner? C'est pas ça. On a allumé les lumières, c'est pas mal, c'est un début. Ah, je sais pas pourquoi il y en a une qui est là par contre. Rien à faire avec eux. On était par là. Oui, on est arrivé de là. Hein. On n'a pas été par là par contre. On est arrivé de là, on a fait ça. On est monté. On a... Ça, si je descends ça. Ça n'a pas de conséquence sur la porte de derrière. Conséquence, elle est pas baissée. Alors, test numéro 2. Est-ce que si je tire sur la porte, mais c'est des énigmes, je pense pas. Pour actionner ça, faut aller de l'autre côté pour le coup. Faut que ça.
Les squelettes sont exactement dans la même position. Ouais. Nous, on vient de par là. Le seul endroit qu'on n'a pas exploré. Il n'y a rien. C'est la partie descente de la cascade. Je sais même pas si c'est comment on peut y aller. Et seul là, on a vu des morts. On va essayer de sauter de l'autre côté de la cascade. Il y a quelque chose. C'est un couteau. Merde, quel con. Oh là là, bon, si je peux arriver à sauter. Alors. Pourquoi j'aime pas les jeux de plateforme, mais une raison. J'ai pas sauté, comme ça c'est bien plus simple. Voilà, on revient plus en arrière. Alors ça, j'ai des doutes qu'il faut... J'ai quand même des doutes qu'il faut descendre. Quand même. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu louper? Restez près l'un des autres et gardez votre... Ça, dans l'embarcation, c'est le meilleur moyen de repousser. Écoutez-moi bien, matelot, les morts ne racontent pas l'histoire. Ah! Pourquoi je suis ça seul, moi? Je vais pouvoir monter après. Voilà, ensuite. Ensuite. Donc ils se sont arrêtés là. Ok, d'accord. Fallait juste relancer une animation. Enfin, lancer une animation. Je vérifie en même temps qu'il n'y a pas des livres à faire, mais voilà. Une palle, ça s'allume. Une palle. Voilà, c'est carrément... La vérité se trouve devant vos yeux, ici les morts ont toujours des histoires à raconter. Dead men are
On a carré plus. Oh super! Ah bah alors ça. Ah ça c'est la joie ça. Oh la vache. Hop. Ah, on nous propose le choix d'armes. Je sais pas si je garde le tromblon ou si je dois prendre. Peut-être que vous le saviez. Vous en savez trop. Vous avez vu le trésor maudit et vous savez où il est caché. Continuez à vous risquer péril, ce sont les derniers mots amicaux que je vous. Si vous reprenez ce chemin, vous pourrez bien ne pas survivre. Oh là 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 là, que ça sent bon les plateformes. C'est un côté ou l'autre, ok. Donc il faut sauter sur ce truc pour aller là-bas. On sent encore le truc simple à faire, moi je vous le dis. Hop. Ensuite. Wow. Oula. Oui. Il est mort ici. C'est sombre, ça me stresse. En même temps, on est chez les morts, donc faut pas... Ouais, très bien, après. Ah, ça y est. Les jambes des morts. C'est toujours inaccessible. Ça, ça se tourne pas. J'ai vu, non. J'ai mal vu. Pirate. C'est la rive. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour changer le voyage? It's a foul wind tonight. Oi down there! He paid the warnings no heed.
and set foot in Sailor's grave while ye still draw breath, at the risk of marooning yourself here for all eternity. Ils ont bien fait tout le truc quand même. Hein. That be what I call true. Une caverne. Not like the scurvy sea devils that stole me plunder and jailed me up here. The old crew, a bunch of treacherous curs. Ah, but this be no way. Un bel graphique ou Non, il y a bien quelque chose à récupérer. Alors, énigme numéro 35. Ah bah, ça doit être ça. Quai de la cage. Bah heureusement qu'on est très curieux parce que... Vous êtes sur le bateau, non? Vous, vous là-bas. Oh, that's our welcome sight. But it'll do me no good while I'm stuck up here. See if you can't find a way to climb up and set me back. Je me suis au fond, au son, pardon. Je sais pas trop où il est, je sais pas. Bah, il braillait de là-bas, donc soit là-dedans, soit là-bas. Il y a encore des trucs à faire ici. Ça s'est fermé. Ensuite. The only way to get me down is for you to climb up and be quiet. Ah, c'est moi, il va falloir qu'on monte sur le bateau. Non, faire ça quand même. Ils auraient pas osé. Si, ils ont osé. Voilà, puis qu'on va les escaliers, ça serait trop simple. Hold your course and see if you can't make it over to her from where you are now. I'll wait. Puis j'arrive à atteindre le dessus du truc. Mais alors comment? Watch your step now. I'd hate to see you take a tumble. Parce que pour atteindre le dessus. Merde. Oh, quel con. Bah, les escaliers, les pavés. N'oubliez pas. Je sais pas quoi. On a oublié. C'est moi qui bug ou c'est le stream? Bah, moi je vois pas de bug sur mon stream. Sur le retour. Après. Où c'est qu'on peut monter pour accéder à ce merdier? Parce que là, après, ça me fait faire quoi si je fais ça? Ça y est, plus haut, ça m'intéresse pas. C'est toi, moi tout est nickel, aucun bug de mon côté non plus. Ah, tombe pas Maurice, c'est pas le moment. Il y a Jean-Michel qui nous attend.
Ah, par contre, vous réussissez à retrouver Jean-Michel. Comment que je peux monter là-haut? Viens de là. Quoi? Vous avez des bugs? Dit de passer par l'épave, donc c'est dans l'épave que ça se passe. Ça sert à rien. Non. Je sais jamais pour en est. C'est pas par là. Après, si on suit la logique du jeu, ça nous emmène par là. Enfin, logique du parcours. Ça nous emmène par là. Mais là, c'est pareil, je vois pas trop par où faut qu'on passe. Là, si je passe en dessous, ça nous emmène sous l'eau. J'ai rechargé, c'est nickel maintenant. Merci. Ah, ça me rassure, ça veut dire que c'est pas le. Ah, si, c'était ça qu'il fallait faire. J'ai peur, qu'est-ce qu'il va me faire faire? J'espère que vous ne me faites pas le malin avec ma jambe car. Ouais, si tu veux. Ok, donc c'était bien ça qu'il fallait faire. Ensuite, F. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais on va voir. Ah, ça sert à rien. Hop. Faut que je mette ça au milieu. Il va pas aimer de descendre. Je... Non, il va pas aimer. Ah attendez, parce qu'il va descendre. Il va pas aimer. Faut un coup d'épée en descendant. Hop, bah maintenant qu'on l'a fait une fois, on tâche et qu'on sait pas où faut passer. Welcome being back on the ground.
Eh bien, j'avais peur que la serrure n'ait rouillé. Après tout ce temps, faut que je porte. Assurez-vous que vos mains soient propres. Je ne veux pas d'empreintes sur mon crâne. Mais il va pas me saouler. C'est si bon de voir dans une plume direction, ok. Nous avons un long voyage devant nous, et nous n'avons pas encore retrouvé mon pied marin. Je n'ai pas encore retrouvé mon pied marin. Alors je vous confie le déplacement pendant que je vous fais la parole. Commençons par nous rendre à ce vieux phare. D'abord. Vous préférez que je fasse le tour de mon royaume détruit? Qui sait peut-être que... Je ne suis pas la moitié d'un pirate, mais je peux encore cacher le fond. Drop what you're doing and get this bridge in order. We've a ferry to catch. Mais il nous a bien dit qu'il fallait commencer par le... Ah d'accord, fallait qu'on soit tout près du... Imagine que je devais vous rencontrer mon histoire. On est entré dans les mers alors qu'on fuyait nos ennemis dans la cale remplie de butin. Petit à petit, mon équipage a commencé à râler comme quoi il voulait, mais je préfère rester avec mon butin pour toute éternité. Plutôt que de risquer de tout perdre au fil des flots. C'est bon, t'as fini de causer? Ça doit quand même pas être commode d'avoir une main qui parle, une tête qui parle dans les mains. Hop. Cet endroit me rappelle des souvenirs de la nuit où j'ai mouché la flamme ainsi que le gardien du phare. Je devais m'assurer que le passeur ne me séparait pas, donc je connais rien. D'accord, je n'y connais rien à rien, mais si j'emprunte un corps, je ferai sûrement utile. Voyez si vous trouvez posé un tas d'os sans tête. Hop, ça c'est pour... j'ai pas lu, mais c'est juste pour la récompense du truc. Voilà, il y a un corps sans tête. Enfin un nouveau corps. Pas aussi beau que l'ancien, mais à cheval donné, on ne regarde pas, j'ai pas le temps de dire. Là c'est comme manœuvrer un sloop, ça ne s'oublie pas. Si on peut trouver des indices pour incendier cet endroit à nouveau. D'abord voyons si vous pouvez allumer ce brasier avec vos drôles de flammes. Mettre le feu à la ville, c'est sympa. On va pas le contrarier, hein, mais il va falloir pointer la flamme vers les mers pour appeler le vaisseau des damnés. Un grand basier. Il n'y a pas d'autres livres. Oula. Pardon, attirons l'attention du passeur. Voilà, on est beaucoup trop haut. Ah d'accord, faut allumer. Bah comment on monte?
D'accord, ok. Un qui monte et l'autre qui tourne. Alors comment vous tournez? Ok, on va allumer celui-ci. On va te carrer. Et voilà, le phare est comme neuf. Attendez, je vais essayer d'avoir une meilleure vue. Je distingue des voiles à l'horizon. Vaisseau des damnés, mais votre venue ne sera jamais vue d'un bon oeil. Ces gens encapuchés commandent par ici. Et ils ne laisseront pas les vivants monter à bord. La façon de monter à bord de ce navire est de se cacher. Je me demande si mon petit secret est toujours là où je l'ai laissé. Où il arrive à m'éviter. La clé de ma cabine, après toutes ces années, le gardien me l'a prise quand il m'a balancé. Et la vue de mon navire revivra, ce vieux corps pourri. Okay. J'ai pas suivi. Je vais avoir besoin de toi pour me déplacer au moins jusqu'à ce que je rejoigne mon navire. Dirigez-vous vers le navire avec les voiles rouges et je vous montrerai la sécurité. Se déplace comment? Comme ça. Il n'y a pas d'autres livres à lire, caché, je sais pas quoi. C'est une tendance aussi à Office de cacher les livres. Ouf. On va vite être au sol comme ça. Hop, on tourne, 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 on est sorti. Voile rouge. Enfin. La suite va demander un peu de finesse, passez-moi. Au-dessus de ce squelette, il y a un secret non loin d'ici, je le flaire avec le vent. Le Golden Horse, le vaisseau le plus rapide de l'océan. C'est moi qui le dis et personne ne peut faire retourner en route au navire. Enfin, gardez toujours un moyen secret de retourner dans votre navire. S'il veut le truc du capitaine, en théorie, elle est là-haut. Enfin, elle est là-haut, mais de l'autre côté, la cabine. Évidemment, j'en ai posé plus avant. Cette clé ouvre la porte littéral de ma cabine. Car c'est ici qu'on se sépare. C'est déjà fini? Il y a une chaloupe là-bas qui vous mènera jusqu'au vaisseau des damnés, ainsi discrètement qu'une petite souris. Mais je me demande, vous savez vraiment ce qui vous attend sous le pont? On ne trouve pas de l'or et de l'argent dans les coffres. Mon équipage est libre et j'ai la conscience tranquille. Mais il y a encore beaucoup de trucs auxquels je dois réfléchir. Peut-être qu'on se reverra un jour.
Et maintenant, du vent, avant que cet endroit vous piège ici pour toujours. Donc, il a dit que derrière son bateau, il y avait une chaloupe. Vous avez bien le droit d'un velours de mer, vous donnez cette clé pour le moindre des choses. Attention que vous mettiez les pieds, le trésor qui m'a maudit est peut-être dans le coin. Oui, en effet, il y en a du trésor. Mais rien n'est ramassable, donc ça c'est... Bon, bref, on était là pour la chaloupe. Il n'y a rien d'autre à lire, surtout, c'est lire le livre. Je n'en avais à avoir 5 ou 6. Bon. Hop, hop. Ouais, comment on a des... Où on en est, je veux bien tout essayer. Comment je la jette à l'eau, elle? R. De l'autre côté, de l'autre côté. J'ai derrière le phare. La chaloupe peut-être à ce vite. Il n'y a pas de comment ça s'appelle de... d'échelle. Donc la chaloupe doit se... Vous qui vous êtes tardé dans ces lieux perdus, qui ont appris ce qui coûte de rompre avec le code des pirates. Vous avez souffert sous le poids des chaînes forgées par vos propres méfaits. Maintenant, vous avez purgé votre peine. Mais vous ne vous souviendrez probablement pas entièrement de votre séjour en ce lieu. Peut-être un fragment de souvenir vous accompagnera lorsque vous franchissez mon portail. Franchirez mon portail et retrouverez dans le monde des vivants. Peut-être que non. Et nous reverrons.
for strange ships now patrol these endless waters, and ours is the longest voyage of all. Ok. On a dit qu'il fallait qu'on soit discret. Hein. Amarrez votre venable navire, vous en faites pas, mon chien n'est pas méchant. Il a apporté du rhum, c'est l'essentiel surtout. Hop. Mais bien bonjour, il parle quand même. Hop. Hop. Et on va où? Je veux pas descendre parce qu'on nous a dit de se faire discret, donc. Enfin, vous allez me dire, vu où on est, discrétion. Pff, c'est pas le mot d'ordre. Ouais. Bon, on va se battre déjà. C'est ça qu'il fallait faire. Le secret du vaisseau des damnés se sont mis à nu. Je ne peux pas abandonner la barre, mais je vous en supplie. Ne cherchez plus à pénétrer en ces lieux, vous ne comprendrez pas la véritable nature de ce que vous cherchez. Il marche, lui ? Ouais, il marche. Ouais, donc ils vous fournissent vraiment tout, vous pouvez lancer le jeu en mode... Bon, il y a un mort là-dedans. Jack, un joli nom. Jack, un joli nom ou un chien. Anonos. Ah bah voilà. I know what you're thinking. That dog is never going to move. Therefore, I propose a wager. Voyons si je peux attirer. Oh bah, on n'a pas attendu sa réplique, du coup. Faut-il vraiment le libérer? Allez, sors là-dedans. Vous ne parlez pas beaucoup, hein. Cependant, comme vous avez vu tout compagnon de... Oh, je vais laisser parler parce que.
I shall bow to my collegial nature and introduce myself. Collégial me présente. I'm Captain Jack Sparrow. Jack Sparrow, puisque vous êtes là pour me sauver, vous devez déjà le savoir. Ils l'ont bien fait quand même. A golden key to other lands, in eternal freedom, plundered from the lair of a heartless squid, and used to assist the sheriff. Ce que j'ai pu dans le repère des pieux franqueurs que j'ai pu accomplir des tentatives audacieuses d'évasion. Ça brille, n'est-ce pas? You know, I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. C'est pas un livre, non? I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary. Le capitaine a l'air d'être le genre mélancolique. Je parie qu'il est copain avec le cafard. Je ne sais même pas comment j'ai atterri sur ce triste navire. Bah t'es mort. En théorie. La dernière chose dont je me souviens, c'est de me tenir à la barre des perles. Et soudain, une énorme détonation, comme un boulet de canon. Un boulet de canon, peut-être. Ce paysage n'est pas très inspirant, mais c'est bon de vous égaudir les jambes. Restez où vous êtes. Du monde des vivants, pourquoi avez-vous interféré avec mes plans? Les actions égoïstes de ce Sparrow ont changé. Oui, bah c'est pas faux. That's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now. I can see you're very busy. Silence! You shall be returned to your cell. And this time, the key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be. Je ne peux permettre. You see the folly of your actions? Already the sands of time have trickled into oblivion and we are discovered. Oui, nous sommes à découvert. Désormais, ils connaissent notre odeur et il est impossible de les fuir. De fuir. Très qu'ils l'ont bien fait aussi. Steady, mate. That's the Flying Dutchman we're talking about. She's no ordinary ship. Les vagues de mon domaine lui correspondent parfaitement. Et vachement bien fait aussi. À vous de jouer, pirates. Les canons sont prêts. Déchaîner la furie de mort de ces intrus et nous mettons un terme à ces. On n'a pas besoin de s'occuper de remplir, on est d'accord, hein? Je sais pas. Oh bah on n'aura pas le temps de voir. Y'a pète un câble.
Je vais l'aborder, défendez le navire. And what do you suggest I defend her with, mate? I forgot to bring the bow. Oh, very well. Take my blade while I steady our course. A dead man's sword for a dead man's hand. Oh, ils sont pas beaux. Oh, puis ils ont des serpents de merde. Ça devrait être interdit par la loi, ça. J'ai plus de balles. Ok, les cobbies. Hop. C'est un gros cabier, ça. Hop. Mais tu peux, c'est pas grave. J'ai plus de boulet. Je sais pas si je peux l'aider lui. Non, je touche pas.
Oh bah bien, bravo. Change course, change course. After that treasure, I gave him my word. Ça ne suffit jamais. C'est vrai qu'il a pas tiré. Oh merde, l'autre con, il a sauté. Pourquoi n'avez-vous pas écouté mon avertissement? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sparrow a disparu, et notre ennemi possède le trésor pour assouvir ses sombres desseins et assiéger Sea of Seas. Il a déjà mis son plan en branle caché sous les vagues. Vous avez causé bien des dégâts aujourd'hui, mais vous avez fièrement combattu. Je vais vous renvoyer dans le monde des vivants avec votre navire, afin que vous puissiez poursuivre la bataille et sauver tout ce qui vous avait mis en péril. Si vous échouez, vous serez le témoin impuissant de la chute du monde de David Jones. Ah bah bravo le beau! Ça valait bien la peine de tout casser. Hop. Alors juste par curiosité, je veux voir combien de fois faut la faire pour leur succès, parce que ils ont un don pour faire ça. Il faut la faire. Alors apprenez ce qui arrive aux pirates qui trahissent d'autres pirates. Rapportez le trésor à son propriétaire légitime. Découvrez le secret et tout ça c'est dans la mission qu'on a faite. Il y a deux, c'est pire. Faut pas les faire 5 fois, mais une fois c'est largement suffisant si vous savez où sont les livres. Terminer toutes les promotions, vive pirate, ok. Ah, Sauvigna! Non, on ne joue pas de... Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est l'histoire de la vie!